monde, j'espère que vous allez bien, que vos examens blancs se sont bien passés, que vous continuez de vous accrocher à fond. Franchement, là, c'est la dernière ligne droite, c'est pas le moment de lâcher. Vous continuez, vous êtes déjà des champions d'être arrivés jusque-là, alors à fond, à fond, à fond. Nous, aujourd'hui, on va parler d'un cours de Madame Joliet sur la pharmacovigilance. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. Bon courage! Donc, la première chose qu'il faut bien comprendre dans ce cours de pharmacovigilance, c'est la différence entre les essais cliniques et la pharmacovigilance. Donc, avant que le médicament puisse être mis sur le marché, il passe de nombreux tests qu'on va appeler essais cliniques. Et pour réaliser ces tests, on va inclure un nombre très limité de personnes puisqu'on va inclure moins de 5000 patients. On va exclure les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Ce sont des tests qui sont relativement rapides, donc peu adaptés finalement aux maladies chroniques. Et surtout, ces tests sont réalisés dans des conditions optimales, mais vraiment plus. C'est-à-dire que le patient n'oublie jamais de prendre son traitement, il le prend à des heures très fixes. Et en fait, vous comprenez bien que ces essais n'en sont pas vraiment le reflet de la réalité. On ne peut pas réellement prévoir l'évolution de ces médicaments dans la population malgré tous ces nombreux tests dans les essais cliniques. Donc c'est pour cela qu'on va aussi contrôler le médicament. Une fois qu'il est obtenu son AMM, ou autorisation de mise sur le marché, on ne peut pas laisser le médicament comme ça se gamballer dans la nature et pas le surveiller après dans la population. Donc on va utiliser la pharmacovigilance. Et la pharmacovigilance, en fait, c'est un peu l'inverse des essais cliniques. C'est-à-dire qu'on utilise un très grand nombre de patients puisqu'on regarde sur la population générale, en fait, donc une grande diversité de profils. Là, on n'exclut personne. Les durées d'observation sont plutôt longues, donc beaucoup plus adaptées aux maladies chroniques. Et surtout, les modalités d'administration sont différentes parce qu'un médecin ne va pas prescrire de la même façon un médicament qu'un autre médecin. Un patient ne va pas prendre son traitement de la même manière qu'un autre patient, donc tout est différent. Et si on résume, en fait, la pharmacovigilance a une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus réaliste des effets du médicament, en fait. La pharmacovigilance, en fait, ça permet l'évaluation de l'utilisation du médicament après sa commercialisation. Elle permet l'évaluation de ses effets bénéfiques, mais aussi et surtout de l'évaluation de ses effets indésirables. La pharmacovigilance, c'est un ensemble de techniques pour identifier, évaluer et prévenir les risques d'effets indésirables après l'obtention de l'AMM. J'aimerais juste revenir 2 secondes sur la définition d'un effet indésirable. Il faut bien l'avoir en tête, cette définition. Donc un effet indésirable, c'est une réaction nocive non voulue qui se produit lors de la prise d'un médicament dans des conditions totalement normales. Mais un effet indésirable peut aussi arriver lors d'un mésusage, c'est-à-dire lorsqu'on a mal pris le médicament, par exemple en trop grande quantité. Forcément, il y a des risques après d'effets indésirables. En fait, le but ultime de la pharmacovigilance, c'est d'améliorer la balance bénéfice-risque d'un médicament à 2 échelles. La première échelle, c'est l'échelle individuelle, c'est-à-dire trouver le bon traitement le plus ciblé possible pour un patient donné. Et puis, à l'échelle populationnelle, c'est se dire est-ce que ce médicament-là doit rester sur le marché parce qu'il présente des risques, c'est d'informer les prescripteurs sur les effets indésirables possibles de ce médicament, etc. En France, on retrouve 31 centres régionaux de pharmacovigilance. Mais on peut se poser la question, à quoi est-ce qu'ils servent réellement? En fait, ils ont 4 missions principales. D'abord, c'est de recueillir les notifications des effets indésirables. Ensuite, une fois qu'ils ont recueilli ces informations, le but c'est de valider les notifications des effets indésirables, être sûr qu'elles sont réelles. Et une fois qu'elles ont été validées, ils vont transmettre ces informations, ces notifications à l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, qui, elle, va s'en charger et prendre les décisions après. Et finalement, en fait, c'est vraiment un rôle, ces centres régionaux, de collecte d'infos, de tout récupérer pour ensuite tout retransmettre. Vous allez me poser la question, j'en suis sûre, mais d'où est-ce qu'elles viennent toutes ces notifications? Qui les déclare? Eh bien, en fait, ce sont les médecins, les sages-femmes, les dentistes, les pharmaciens et les laboratoires fabricants des médicaments. Tous ces déclarants-là sont obligés de déclarer en fait un effet indésirable lorsqu'ils en remarquent un. Et puis, il y a les autres professionnels de santé et les patients, par exemple, qui, eux, ont la possibilité sur Internet de déclarer un effet indésirable, mais ils ne sont pas obligés. Il y a maintenant un autre élément clé sur lequel j'aimerais bien revenir avec vous, c'est la notion d'imputabilité. Donc l'imputabilité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'évaluation du rôle d'un médicament dans la survenue d'un effet indésirable. En gros, pour prouver qu'un médicament est responsable d'un effet indésirable, on doit remplir un dossier qui renseigne d'abord 4 éléments. D'abord, il nous faut des informations sur le malade, par exemple son âge, son sexe, etc.
Il nous faut ensuite des informations sur le notificateur, qui est-ce qui déclare cet événement indésirable. Ensuite, bien sûr, il faut indiquer de quel médicament est-ce qu'on parle et quel effet indésirable est-ce qu'il aurait causé. En remplissant ce dossier, il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible en indiquant par exemple le délai de survenue de l'effet ou encore si lors de l'apparition de l'effet, la posologie était modifiée par exemple. Mais le plus important, ce sont les trois grands critères décisionnels qui permettent de décider si l'effet indésirable est bien lié au médicament. Le premier critère, c'est la chronologie. La chronologie, c'est en gros, au bout de combien de temps est-ce que l'effet est apparu, comment est-ce que cet effet a évolué à l'arrêt du médicament, etc. Le deuxième critère, c'est celui de la sémiologie. En fait, on regarde s'il n'y a pas une autre cause qui aurait pu expliquer cet effet indésirable, comme par exemple une infection virale ou bactérienne. Et le dernier grand critère décisionnel, c'est la bibliographie. On va regarder dans la littérature médicale ou dans les RCP, donc les résumés caractéristiques du produit, les grands livres là qui renseignent sur tous les effets des médicaments, si on n'a pas déjà parlé de ce médicament à tout hasard. Et c'est une fois qu'on aura évalué ces trois grands critères qu'on pourra déterminer s'il y a un lien entre l'effet indésirable et le médicament. Pour terminer, j'aimerais revoir avec vous des chiffres très importants qui tombent assez souvent aux examens. Madame Jolie aime bien les poser. Donc il faut bien savoir que 3% des sujets hospitalisés le sont pour un effet indésirable, que 10% des sujets hospitalisés auront un effet indésirable au cours de leur hospitalisation. Et le chiffre le plus important à mettre en rouge dans vos toilettes, c'est vraiment qu'en médecine ambulatoire, on a un effet indésirable tous les 2 jours, pour un médecin. C'est énorme. Et ce qui est encore plus fou, c'est que 30% des effets indésirables médicamenteux sont évitables. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'ils sont évitables? Eh bien, tout simplement, en renforçant la formation des professionnels de santé, en développant l'éducation thérapeutique du patient, ou encore en développant l'éducation à la santé de tout le citoyen, et ce, dès le plus jeune âge. Voilà, on a à peu près fait le tour de ce cours sur la pharmacovigilance. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je pense fort fort à vous. Bon courage!